et ça fait zumba. Et ça fait zumba. Bonsoir à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec nos petits potes de l'Amazing. C'est une vidéo rigolote, amusante, avec beaucoup de gages. Et ça, ils vont pas du tout aimer. On se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débriefing. C'est parti, let's go! Bonjour à tous, je suis l'arbitre de ce jeu et tout de suite la présentation des candidats. Salut à tous, moi c'est Alex. J'ai 20 ans, depuis 10 ans, je viens de Lyon et je suis coach sportive. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 22 ans et je suis photographe dans la vie. Photographe tout court en fait. Et nous allons jouer au jeu du dentiste. Donc le jeu du dentiste, quelqu'un ici présent va porter un écarteur de bouche et va devoir faire deviner une liste de mots à chacun. Celui qui en devine le plus gagne, celui qui en devine le moins, évidemment, perdra. Le gage, ce sera d'être en mascotte, et chaque mascotte a un gage particulier à réaliser dans la rue, mais ça on verra en détail juste après. Donc le jeu du dentiste commence. Alexandra va commencer, elle va porter donc un écarteur de bouche et va devoir faire deviner des mots à Ryan. Plus elle fait deviner de mots, plus elle gagne, et inversement sur la partie d'après, Ryan portera un écarteur de bouche, aura une liste de mots différents et devra les faire deviner à Alexandra. C'est parti! Un ordinateur. Un ordinateur? Ouais. Bibliothèque. Bibliothèque? Oh, il est. Un quoi? Oh, il est. Disneyland! Non! Disneyland! Disneyland? Boucherie. Chez Robin? Non! Barcelone. Barcelone. Un chat. Un chat. Hihi. YouTube. Yeti. Non, YouTube. YouTube. Yes, DJ. DJ. New York. New York. Un pois chiche. Un quoi? Un pois chiche. Un yes. Pois chiche. Une houillette, ça coule, ça. Une houillette. Une billette. Ouais. Une boucherie. Une boucherie. Ouais. Et c'est bon. Elle a gagné. Igou. 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 Ibou. Yes. Ratir. Ratière. Ratir. Rateur. Ratir. Ratus. Raté. Rat. Ratir. 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 Je peux passer si tu veux. Ouais, passe. Gauche. Une douche. Ouche. Bouche. Yes. Sucre. Du sucre. Siderman. Superman. Siderman. Sidaman. Non. Siderman. Cigarette. Cigarette. Ventilateur. Ventilateur. Aouche. Une douche. Aouche. Une bouche. Non. Passe. David Guetta. David Guetta. Hard Knight. Fortnite. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Orangina. Orangina. Siderman. Siderman. Superman. Spiderman. Spiderman. Yes. Voiture. Non, c'est bon. T'as perdu. Allez, ah, c'est quoi le dernier? En fait, c'était babouche et voiture. Babouche, bouche et voiture. Non, bouche, elle a deviné. Ah, bouche. Non. Si, si. Ah ouais. C'est babouche. Alors, Ryan, c'était dur? Complètement dur. J'ai vraiment... Dans tous les cas, t'as perdu. Hein. Ouais. Donc maintenant, tu vas piocher ton gage qui se trouve là-dedans. Je te laisse le soin, tu peux prendre le temps que tu veux. Tu ne regardes pas ce qui t'attend dedans, par contre. Tu pioches un papier. Alors, je te laisse d'abord ouvrir. Tu ouvres d'abord. Qu'est-ce qui est écrit? Marge Simpson. Ok, donc ça veut dire qu'il va devoir porter la mascotte de Marge Simpson. Et ensuite, ici apparaît le gage que tu vas devoir faire. Tu le lis? S'asseoir vers un bac à shampoing ou une machine à bigoudis chez un coiffeur. Donc, il va falloir qu'il descende dans la rue, qu'il trouve un coiffeur et que le coiffeur accepte qu'il s'assoie vers le bac à shampoing ou la machine à bigoudis. Et il faudra qu'il prenne une photo pour prouver, qu'on mettra dans la vidéo bien sûr, pour prouver qu'il a bien réussi son gage. T'es prêt? Je suis prêt. Ryan, tu as
malheureusement perdu. Donc maintenant, je vais t'inviter à aller te changer et mettre la jolie mascotte de Marge. Simpson. Tu peux y aller. Franchement, c'était cool, c'était marrant. J'ai dansé avec... Non, j'ai pas dansé. Je suis allé chez la coiffeuse. Une petite photo avec les bigoudis. Non, c'était pas au-dessus de ma tête, mais c'était là. Et après, j'ai dansé avec un groupe de filles. Elles ont pas dansé, je crois. Et après, j'ai fait un petit selfie avec une petite fille. Elle était sympa. Et voilà. Défi, égage, réussi, Ryan. Merci. Félicitations bien. À toi. Merci bien, merci bien. Merci, Marge. Merci, bon, merci. Là, tu es rentré dans le salon. Ouais, et assieds-toi. C'est bon, là, il y a. Ouais, okay. Donc, Adrien, toi, tu n'as pas le droit de savoir ce qui se passe, ni de voir, ni d'entendre. Je vais te mettre un casque sur les oreilles. Okay. Avec de la musique, tu ne vas plus rien entendre. Ouais. Du coup, Michaela, nous allons jouer à l'Odo Quiz. Donc, l'Odo Quiz. C'est quoi ça ? Voilà. Tu vas devoir deviner 8 objets que je vais te présenter et tu vas devoir deviner ce que tu sens. Plus tu en trouves, plus tu marques des points et évidemment celui qui a marqué le plus de points gagne. Il n'y a pas de truc vivant. Non. Okay. Non, il n'y a pas de. Non, okay. On n'a pas maltraité d'animaux pour ça. Donc, celui qui en devinera le moins, bien évidemment, aura perdu, devra piocher son gage. C'est parti. Okay. Alors, Michaela, je vais commencer par quelque chose. Donc, toi, tu ne touches rien, c'est moi qui touche. Je vais juste approcher vers ton nez. Tu veux ressentir? Tu veux ressentir ou pas? Non. Pardon, c'est drôle. Vas-y, je peux l'entendre. Je pense à ce que c'est. Bah, dis. C'est pas de la bouffe pour chat. Alors, qu'est-ce que c'est comme bouffe pour chat? Ça. Vas-y, tiens, oula, attends, ça fait les manger. Vas-y. Des croquettes. Ok, un point. Tu peux sentir quelque chose, hein? Oui, attends, je rapproche. Ça me dit un truc, hein? Ah oui, ça existe, hein. Tu veux ressentir? Ouais. Ça me dit trop un truc. Est-ce que tu veux mettre de côté? Pour l'instant? Ouais. Ok. C'est un truc pour humain. C'est un truc pour humain. Ah merde, elle s'est cognée contre le bord. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est dans des pots. C'est bien, vous avez beaucoup de choses. Franchement, tente. De toute façon, t'as rien à perdre. C'est épicé. Faut que tu tentes. Qu'est-ce que c'est? Pour toi, qu'est-ce que c'est? Ressens. C'est un truc dans les pots là. Oui, ressens. Qu'est-ce que c'est? Donne un nom.
Y'a de la sassomate, poivron. Ok, t'as pas trouvé. C'est une crème hydratante. Ok, t'as perdu. Ah, tu renifles là? Ouais, tu peux refaire sentir. Bah ouais, c'est tout ton nez là. La Covid, non? Je vois pas ce que tu sens pas? Tu sens quand même? Je sens, mais je vois pas ce que c'est. Tu connais pas? C'est un truc pour sentir le bon? Non, tu n'as pas trouvé. Tu dois entendre quelque chose, non? Attends. Tu peux sentir. Y'a rien là, non? Tu sens quelque chose? Non. Attends, je rapproche. Donne quelque chose. Pas d'idée? Je sais pas, je sens rien. Ça va manquer. Qu'est-ce que ça peut être? Du dentifrice. Bon, un bain de bouche. Ok, on l'accorde. C'est un truc pour sentir bon. Non, ça, c'est tout sent bon en fait. What can I do? Adrien, nous allons jouer à l'Odo Quiz. L'Odo Quiz, qu'est-ce que c'est? Tu vas devoir deviner des choses que je vais te faire sentir. Je vais te faire sentir 8 choses. Il faudra que tu en devines le plus possible. Alors, okay. Pour te donner un peu d'espoir, ouais. Michaela en a trouvé que 2. Ouais, c'est déjà bien. 2 sur combien? Sur 8. Ok. Hein? Donc, tu voilà, tu as un petit peu de marge de manœuvre. Je te souhaite bonne chance. Ouais. Oh putain. En plus, j'ai le nez un peu bouché. Okay. Allez. Déjà, là, je sens un truc, mais on verra après. Allez, on y va. Putain, c'est. Attends. Tu touches pas. Mais c'est. C'est un truc pour les chats, ça, non? Qu'est-ce que c'est pour les chats? Putain, c'est des croquettes. Ok, un point. Renifle. Ouh. Ça, c'est du curry. Pas du curry, ça? Non. Presque, mais non. Bah, du paprika, alors. Non. Du curcuma. Mais toujours pas. Vas-y. C'est quoi, ça? Le mec met pif dedans. Hein. Laisse-moi mettre le pif dedans. Attends, t'es pas là. Je sens rien. Bah. C'est du porc. J'ai jamais. C'est bon. J'ai rien. Waouh. C'est de la crème. Mais ça, je connais ça. Oh putain. Donne une réponse. Je sais pas, de la crème hydratante? Non. Putain. Ok, il te reste plus que 3 trucs à trouver. Ok. S'ils sont à égalité. Mais c'est chaud en vrai. Mais j'ai pas d'odorat, ouais. Moi. Vas-y, je t'approche un peu. Putain, ça sent fort ça. C'est du sirop? Non. Ça sent la menthe. Qu'est-ce que ça peut sentir si ça sent la menthe? Je t'en refais sentir. Du liquide pour vapote là? Non. Putain. Non, non. Du Vicks? Non, non. On abandonne. C'est pas du sirop? Ah non, ça peut être cool. Ah, ah non. Hey, j'ai entendu le A, ça y est, je suis mort. Attends. C'est quoi ça? C'est quoi ça titille le nez là?
Mais y'a pas d'odeur. Putain, c'est le maquillage, non? C'est quoi? Attends. C'est une queue de cheval. J'en rien, la vérité. C'est quoi ça? Non. Ah non? Non. Attends. Non, frère. Attends. Touche pas. Non, je touche pas. C'est quoi ça? Un caleçon, j'en sais rien moi. Des chaussettes. Oh putain, il l'a. C'est vrai? Oui. Oh, j'ai gagné. Attends, je te fais sortir le dernier quand même. Ok. J'ai peur. L'alcool. Ah, l'autre c'était du jet. Non. Oh putain, merde. C'est quoi ça? Mais attends, mais ça se ressemble. C'est du gel hydroalcoolique. Non. Ok, c'est bon, tu peux enlever. Tu vas regarder. Wow. Il a dit c'est du gel hydroalcoolique. Alors. Ah, c'est du gel ça, putain. C'était de la cire. Mais ça, le bain de bouche. Ça, c'était des crispy onions. Les gars, franchement. C'était quoi ça? Là, les gars, franchement. Non, vous n'avez pas géré les crispy. Ah, mais moi, je le sens pas. Mais si. Il y a un truc que je voulais savoir ce que c'était. C'est du cumin. C'est du cumin. Ah, c'est ça. Ma petite Michaela, oui. Tu as perdu. J'en suis navrée. Maintenant, tu pioches. Ah, ça fait peur. C'est quoi ta Ok, tu peux l'ouvrir. Venibus. Ok. Trouver un magazine ou un livre avec la photo de Donald Trump. Voilà, donc tu vas devoir te balader dans Lyon, trouver un endroit avec un livre ou un magazine avec la photo de Donald Trump et te prendre en photo avec. Ah oui. T'es prête? Ouais. Elle est prête. Leïla, tu as perdu, donc maintenant je vais t'inviter à aller te changer et prendre la mascotte de Venibus. Tu peux y aller. Ah. Bon bah tout de suite, hein, bon courage, bonne chance. Aïe aïe aïe. Là, t'es toute démaquillée. Y'avait pas de Trump, non. Non, je rigole. Mais t'es toute décoiffée. Bravo, vous êtes en finale. Pouvez-vous applaudir? Du coup, pour cette épreuve, vous allez avoir besoin de ça et d'un séparateur pour ne pas tricher. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous attend? On va faire une dictée. Exactement. Nous allons jouer à l'orthofaute. Donc l'orthofaute, c'est-à-dire que je vais vous faire une dictée. Celui qui aura le plus de fautes, malheureusement, perdra. Et je crois qu'en termes de niveau d'orthographe... Il y a du level. Ce qu'il faut savoir, s'il vous plaît, c'est que la dictée sera d'un niveau CM2. Enfin, j'ai pas le niveau CM2. Ouais. Du coup, à vos stylos. Okay. Prêt. On y va. Titre de la dictée. Le repas d'un paysan. Je vous laisse relire. Ouais, bah c'est bon. C'est bon. Bah moi j'ai entendu que t'as mis peut-être, j'ai mis peut-être. Et peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. C'était compliqué. Enfin non, c'était pas compliqué, mais il y a des mots, ouais, c'était compliqué. En soi, ça allait. C'est juste qu'on est cons, c'est tout. Non, non, c'est parce qu'on a l'habitude, tu sais, des téléphones et tout, mais en vrai, ça allait, mais il y a eu des mots, laisse tomber. C'est là que tu... T'écris jamais. Bah ouais, je fais beaucoup. Ah ouais, mais attends, en plus, c'est pire. Tu fais des beaucoup. Vous êtes fiers de vous? Non. Pas du tout. Parce que j'ai corrigé. Il y a une phrase. Il y a 9 et 10 fautes.
Je veux dire, il n'y en a pas un qui rattrape l'autre. Attends, genre, c'est serré, il y en a 9 et 10. Il y en a 9 et 10. Oh mon dieu. Il y en a un qui a fait 9 fautes, l'autre qui a fait 10 fautes. Vos pronostics? Vas-y, gagne. Non. Non, la tête de ma mère, non. Si, parce qu'en fait, j'ai écouté ce que tu marquais, donc je marquais ce que toi tu mettais. Non. Voilà vos copies. Lisez à voix haute, s'il vous plaît. Tu as fait combien de fautes? Bah, 9. Ok, tu as fait combien de fautes du coup? Ouais, bah, 8. 10. Je tiens à préciser que cet homme, à ma droite, pour écrire peut-être. Ouais, j'ai piqué. A écrit. Oh non, non, mais quand même! Ah ouais, non. A écrit peut-être. Il a écrit, on peut pas le voir, mais il a écrit. Ça, c'est de voilà. L'iPhone. Il a écrit peut-être. Peut-être. Mais c'est mon grand-père, avant il disait il fait beau aujourd'hui, épithèque demain. Donc du coup ça m'a. Ça reste que ça n'est pas français. Merde, 10 fautes. Non, non. Du coup j'ai gagné. Ça gagne. Maman, j'ai gagné ma première dictée. Hé hey. Du coup, Alexandra, tu seras la seule personne épargnée cet après-midi. Tu as beaucoup de chance. C'est une arnaque en fait. Elle a gagné deux fois. Du coup, tu peux quitter cette table. Tu peux quitter cette table. Adrien, ne pleure pas. Je suis dégoûté. Je te donnerai les cours. Ah, bon, en tout cas, j'avais écrit le titre. Hein. Oui, t'avais pas de faute. Elle a mis une faute dans le titre, elle. Elle a mis un paysan avec un T. Elle a mis un paysan avec un T. Bon. Non, du coup, attends. Est-ce que tu veux piocher ou est-ce que tu veux que je mette comme ça? Parce qu'on n'a pas le choix. Vas-y, mets comme ça. Vas-y. Allez, je te laisse lire. Lapin blanc. Ouais, tiens, ça me rappelle. Je te laisse montrer. Voilà. Et tu peux lire ce que le gage que tu vas devoir accomplir. Prendre une photo avec des carottes. Oh, ça va, ça suis tranquille. Faut que tu trouves les carottes. Du coup, il va falloir qu'il aille dans les rues de Lyon en lapin blanc et trouver des carottes pour se prendre en photo avec. Ah, ça va, en vrai, ça va. Je suis content d'avoir perdu. C'est tranquille. En vrai, c'est tranquille. Et bah, c'est parti. Bah, ouais, c'est parti. Allez. Adrien, étant donné que tu es arrivé en finale, tu as un gage en plus. Bien. Donc, tu vas devoir aller dans la rue en lapin, ça on l'a compris. Ouais. Et tu vas devoir en plus trouver trois personnes dans la rue pour leur faire dire j'aime la maison. J'aime Robin et J. Et de les filmer en train de dire ça. Ouais, à toi de choisir les gens, des jeunes, des vieux, tu fais ce que tu veux. Et tu le feras bien sûr en lapin. Ouais, mais tranquille, ouais. Pas de soucis. Du coup, maintenant, tu vas te changer. Ok. Allez, chaud go. Pour jouer 90 minutes. C'est bon, je suis prêt. On va aller en ville. Tu me suis? Allez. Vous avez des carottes? Rappé, non, je veux pas, je veux entier. Ouais. Venez ce soir. Ok, bah je reviens. Je passe à 22h. Dire ah, attends, je suis soufflé, j'ai pris le marathon de Paris là. Je dois dire, Robin et J, c'est le meilleur DJ au monde et l'Amazing, c'est les meilleurs. S'il te plaît, fais-moi ce plaisir. Robin et J, c'est le meilleur DJ au monde. Ouais, l'Amazing, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Voilà. Bon, je transpire ma race, mais en vrai c'était bien, sauf qu'il y a un gamin, il m'a fait chier un peu, tu vois, il me tirait la queue, enfin, la queue là, et du coup, non c'était bien, après il y a des gens, ils avaient peur, mais je suis gentil. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, mettez des pouces, commentez, partagez, abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais.